Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière sur Football Manager 2024. On est donc avec Sochins, toujours pas de Première Ligue pour rappel, malgré la Ligue des Champions qui a d'ores et déjà été remportée, une Europa League également, une finale de Ligue des Champions perdue également, mais pour le moment, toujours pas de Première Ligue, c'est ce qu'on espère en fin de saison. Et ça avait plutôt bien commencé, mais désormais, c'est un peu plus compliqué. Deux défaites d'affilée se sont enchaînées. On va espérer se relancer face à Arsenal directement. Arsenal qui vit une saison compliquée sous Luis Enrique pour le moment. Espérons pouvoir en profiter. On enchaînera ensuite avec Brighton qui fait pas un mauvais début de saison. Manchester United en Ligue des Champions qui fait une superbe campagne jusqu'à maintenant. 3 victoires et un partage. Et ensuite, on clôturera face à Leicester le 1er décembre. Mais bref, on va donc avancer directement à ce match pour face à Arsenal, pardon, avec ce qui ressemble au 11 type. Hein. On va pas se mentir, malgré le mieux qui est plutôt le mieux de remplaçant, ainsi que Caleta, mais qui a clairement gagné sa place pour le moment côté gauche. Dosu est fatigué, Luengo également, donc on les met un petit peu au repos. On laisse Mills et Diaz parce que ben on va pas changer tout l'aspect défensif quand même. On joue Arsenal, hein. Il faut quand même aligner une équipe solide. Donc on fait en fonction du risque de blessure pour choisir qui est laissé au repos ou pas. Yilmaz Sert est laissé carrément chez lui. On aura Henderson titulaire et Kahn sur le banc. On essaie de relancer définitivement ces joueurs. Hein. Yilmaz, qui est sur une note moyenne sur les 5 derniers matchs de 6,44. Vraiment, c'est hallucinant. Il est en train de nous faire une passe ridicule. Donc là, on essaie de le rebooster avant de le réaligner. Et c'est parti du coup pour cette rencontre. Allez, on va évidemment tout faire pour continuer à enterrer cette équipe d'Arsenal qui avait tenté de nous débaucher l'an dernier. On avait refusé la proposition. Allez, Diaz avec Da Costa. Diaz, le centre vers Henderson. La reprise de la tête n'est pas cadrée, malheureusement. C'était compliqué de reprendre ça efficacement. Mais c'est bien. On s'est déjà créé une opportunité. Il faut construire autour de ça. Prendre de la confiance. Allez, Diego, il est beaucoup trop dans l'axe, là. Voilà. Allez, Da Costa. Le centre s'est mal joué, il n'a pas du tout levé la tête. Ouais, Stallard avec Da Costa. Bien joué pour Henderson. La reprise, malheureusement, pas du tout cadrée. Il y avait moyen de faire mieux là-dessus. Il pouvait même la contrôler. Mais au moins, il tente l'attaquant. Très peu de tirs hein, au final dans cette rencontre. On va leur demander d'ailleurs de ne pas hésiter à tirer dès qu'ils en ont l'opportunité. Alors, il se passe pas grand-chose. Hein. Quelle première mi-temps pas terrible. Alors, on va tout simplement leur demander de s'engager un peu plus, essayer de donner un peu moins d'espace, être un peu plus compact pour pouvoir rapidement repartir à l'offensive. Voilà, Nancy Gould, indirectement côté droit. Da Costa qui est pas trop dedans, qui a visiblement reçu un coup. Autant le sortir. Et là, on profite de cette mauvaise relance. Henderson qui tente de très loin. Toujours pas de tir cadré dans cette rencontre. Et juste quand je le dis, évidemment, il y en a un. Allez, c'est bien, on enchaîne des tirs. On va peut-être enlever le tir à vue désormais. Maintenant qu'on tente davantage notre chance. Cousini n'y est pas trop. On va faire monter Mickey. Et on va aussi faire monter Elal. Double changement, les deux joueurs offensifs. Oh, trop facile. Mills qui intervient bien. Et ensuite, on s'en sort bien sur cette frappe de Saka. Mais quelle intervention de Mills, hein, juste avant la frappe. On va sortir notre ami Stallard qui a la jaune. On va pas prendre de risque. On va jouer avec un milieu def. On va plutôt inverser les deux. En vrai, on va rester comme ça, je pense.
Ce qu'on va faire carrément, c'est qu'on va tenter prendre l'espace seulement. Ah ouais, mais avec des liens intérieurs. Pom pom pom. Ouais, non, milieu def. On va laisser milieu def. On va tenter. Ouais, Moore, parfait. Non, le contrôle, l'état protection de balle. Oh oui. Ah d'accord. Pour Kian, le poteau. Dommage. Aïe, 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 aïe. Ça ne veut pas rentrer pour le moment. Ah, Diaz, il y avait moyen de l'avoir. Mais on l'a finalement, ce ballon avec Gould. De Melenard qui trouve Moore, qui change de côté sur Caleta, le centre en un temps, repoussé, mais Gould récupère sur son pied gauche. Et la finition parfaite de son mauvais pied pour ouvrir enfin le score après 75 minutes de jeu. 1-0. Allez, Chidi. Avec Caleta, dessous, qui lance Kian en profondeur dans le dos de la défense. Et la finition parfaite. Lucarne opposée. 2-0, tout a basculé en 2 minutes de jeu. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah, Diaz, il est complètement cuit, mon Dieu. Allez, Gould. Le centre vers Kian, ça passe au-dessus de tout le monde. Kian récupère, dessous. Caleta. Caleta, le débordement, le centre et Kian qui n'est pas passé loin, mais Nkapié avait bien suivi. Le corner du coup. Repoussé, Mills qui lui redonne à Caleta. Et ce sera une touche très haute sur la pelouse, c'est pas mal. Ça permet de gagner du temps et de se diriger vers la victoire dans cette rencontre. Et oui, victoire, 2-0, un seul tir concédé, c'est celui qu'on a vu. La frappe de Saka avec un ballon qui lui arrive chanceusement dans les pieds. Autant dire qu'on a livré une très très bonne performance face à cette équipe d'Arsenal. Et en plus de ça, on reprend la tête du championnat. On espère évidemment ne plus lâcher cette tête de la Première Ligue. Espérons que ce soit bien le cas maintenant jusqu'à la fin de cette saison. Et on va se retrouver du coup dans quelques instants pour la prochaine rencontre. Ce sera face à Brighton. À tout de suite. On se retrouve donc pour le déplacement du côté de Brighton, où on a fait tourner, puisqu'on sort d'une trêve internationale, et qui dit trêve internationale, dit énormément de joueurs fatigués malheureusement. Donc l'équipe est clairement pas l'équipe type, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, avec même Horn qui va devoir jouer, puisque malheureusement, je reviens plus sur son nom, Corley, voilà, est blessé, Denison est blessé également, vive les sélections. Bon, eux, c'est à l'entraînement, hein, ils ne sont pas appelés. Enfin, peut-être Denison. Non, c'est à l'entraînement aussi. Donc, pas de chance à ce niveau-là. Beaucoup de joueurs fatigués. Donc, on prend la décision de prendre le risque de faire tourner du côté de Brighton. On verra ce que ça va donner. Il faudra être attentif au début de match pour éventuellement prendre la décision, évidemment, de jouer un peu plus prudemment. Pour le moment, en tout cas, ça a l'air d'aller. Peut-être avec une première occasion ici. Ah là là, est-ce que c'est vraiment le bon choix à faire là-dessus de Melenard? Je ne pense pas, hein, honnêtement. Allez, le premier quart d'heure est passé, il se passe pas grand-chose si ce n'est cette tentative de Melenard. Allez les gars, come on, come on. Toujours pas de but. Pas de tir concédé non plus. La mi-temps qui se rapproche à grands pas. Hein. Ouais, ça c'est bien joué comme sortie de défense. Et Gould par contre c'est très très mal joué. Et du coup Brighton en possession du ballon. Oh là là. On s'en sort très très bien. Hein. Avec la sortie de position de Caleta Char. Sans aucune raison. Qu'est-ce qu'il a été nous faire? On va continuer avec les mêmes, je pense, hein, pour le moment, mais c'est décevant, là, ce qu'on a sorti comme performance. Alors, Dorrington avec Seaman. Il cherche une opportunité dans notre défense, une faille à exploiter.
Ils l'ont trouvé, le décalage, Kroos. En retrait pour Fernandão. C'est dévié, j'espère, parce que là, sinon, qu'est-ce qu'il nous fait, Bicoro? Il part complètement de l'autre côté. Putain. Ah ouais. Comment on va faire là? Avec les blessés, ça va être une bonne histoire de merde, ça aussi. Déjà, ça c'est évident. On va faire ça. Ah ouais. On va mettre Cosini sur un côté, vraiment. Oh là là. Bon. Allez. Ici, peut-être l'égalisation. Le centre est pas mauvais. La remise. Yilmaz, comment est-ce qu'il ne conclut pas le poteau, malheureusement? Oh là 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 là. L'énorme opportunité pour Yilmaz qui n'est pas en réussite depuis plusieurs rencontres. Henderson s'est parfaitement joué. Oh, quel arrêt de Seaman. Oh là 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 là. Allez, peut-être une phase arrêtée. Et encore Seaman, mais c'est trop, mais c'est trop. Aïe aïe aïe. En un temps. Oh là là. Et on va le laisser se retourner combien de fois, lui? C'est trop. Putain. Oh là là. Pum pum pum. Ah, c'est terrible. Putain, quoi. Ils ont rien montré du match. On laisse de l'espace deux fois à leur milieu et voilà, deux buts. Oh non, mais putain. Et lui, il s'est joué que sur les flancs, évidemment, sinon c'est pas drôle. Putain. De toute façon, c'est perdu, hein. On va faire ça. Toi, tu vas jouer en... Ouais, en retrait. Et toi, milieu offensif, soutien. Ah là 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 là. Comment est-ce qu'on va perdre ce match, quoi? C'est horrible. Oh oui. Allez, alors peut-être. Allez. Oh putain, c'est horrible, hein, vraiment. Comment est-ce qu'on gagne pas ce match, quoi? Putain, c'est incroyable. Deux fois, on laisse l'espace au même joueur. Deux fois, il met son putain de but de loin. On est malgré tout toujours premier. Manchester City qui pourrait revenir à égalité de nous. Ouais, on fait pas du tout une bonne affaire, là. Avant d'affronter Manchester United en Ligue des Champions, ce sera dans quelques instants. Faudra clairement montrer un autre visage. Défensivement, parce que sinon on va prendre la misère. Ce sera dans quelques instants, à tout de suite. On se retrouve du coup pour le déplacement du côté de Manchester United en Ligue des Champions. On va essayer de se relancer du côté de la Ligue des Champions après la défaite face à Schalke 04. Est-ce qu'on va en être capable ou pas malgré les absences de Koscielny et Denison sur blessure?
de son côté, Corley, c'était pas très grave. Il est déjà de retour et est sur le banc, même si on nous conseille de pas le faire jouer. Donc, clairement, c'est l'équipe type, évidemment, si ce n'est forcément les absences de Denison et Cosini qui pourraient prétendre d'être joués en soutien de Kane. Bref, c'est parti du coup pour cette rencontre. On espère évidemment que ça va bien se passer, mieux que les rencontres récentes. À l'exception d'Arsenal, c'est quand même pas fameux pour le moment. Allez les gars, allez, allez. Allez, on commence à rentrer dans la rencontre. Mais attention, phase arrêtée, ça passe pas loin, on s'en sort bien. Allez les gars, faut passer la deuxième à un moment donné. Oh non. Putain. Oh, c'est terrible. On va espérer que c'est pas trop grave, hein, la blessure. Aïe, aïe, aïe. Réveillez-vous! Putain. Montrer un peu d'envie, quoi. Je sais pas, moi. Aïe, 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 aïe. Allez, là, bougez vos fesses un peu. Ouais. On n'a pas énormément de possibilités, hein, avec les blessés. Allez, Da Costa. Oh, dommage, t'as là qui remise Henderson de la tête. Pas mal de réussite sur cette action, mais on va pas se plaindre. 0-1 après 71 minutes de jeu. La chance nous sourit un petit peu. Allez, allez, maintenant faut tenir le résultat, les gars. Faut aller la chercher, cette victoire, ces 3 points en Ligue des Champions. On en a grandement besoin. Allez, faut tenir. 3 minutes de temps additionnel. Qu'est-ce qu'il va nous faire là, Diaz? Henderson, Diaz. Oh, c'est tellement mal joué, mais on récupère très haut. Caleta qui bute sur le gardien. Il doit tellement tuer tout suspense là-dessus. Bon, il n'y en a plus, a priori. Ce sera la dernière action de cette rencontre. Ah ben, on verra même pas au final le corner. Victoire méritée au final si on regarde les stats, mais bon, c'est en grande partie grâce à l'action de fin de match manquée par Caleta Char. On va pas se plaindre, victoire, on prend les 3 points, ça fait plaisir. Ça donne quoi? On a 10 points désormais après 5 rencontres, ouais. Au moins pour le top 24, c'est plutôt pas mal. Pour le top 8, c'est un peu léger. On verra bien. Oh, la blessure 4 à 5 semaines de Bicoro, c'est trop. Putain. On a mis 75 millions pour un mec qui va louper un mois, frère. Aïe, 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 aïe. On va devoir jouer avec Slocum dans les cages. Oh, le délire. Oh non, quelle horreur. Mais bon, on n'a pas le choix. Et on va devoir faire avec et on va se retrouver du coup pour la réception de Leicester. 7e au classement de cette première ligue. A tout de suite. Et on se retrouve du coup pour ce match face à Leicester. On va essayer de faire mieux. Et surtout,
de livrer une bonne performance durant 90 minutes, que ça ferait du bien après des performances très très compliquées, c'est le moins qu'on puisse dire. On a le retour de Corley dans le 11 de base, on a Stallard aussi à la place de Repossi. On a changé le quatuor en attaque qui sera complètement différent, quoique je crois que Moore était titulaire mais en 10. Donc là il sera à gauche et pour le reste ce sera le même 11. Enfin pour le reste, ça fait que 5 joueurs hein, du coup. Ça fait pas grand chose, on a changé la moitié de l'équipe et on va espérer que ça se passe mieux. On gère évidemment une nouvelle fois les fatigues, on n'a pas le choix. On avait nos deux alliés qui étaient en risque élevé de blessure. Donc dans l'idéal, on ne le ferait même pas monter. On va pas se mentir. Oh, Yilma, s'il te plaît, mets un but par pitié. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, d'accord, il m'a écouté, mais il le met hors jeu, quoi. C'est vrai que j'ai pas précisé après. C'est de ma faute. Ah là 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 là. C'est incroyable. Allez, allez, come on, come on. Mills avec Dossou qui lance en profondeur Gould, mais le bon placement de Cox qui a remis de la tête sur Hermanson. Ils vont pouvoir construire de derrière. On va bien jouer de Loringo. Moore qui récupère. Moore, il rentre dans la surface. La frappe, est-ce que c'était vraiment le meilleur choix? Je ne sais pas. Oh, c'était bien. Oh là là, et la tête victorieuse de Mike Anderson. 1-0 après 25 minutes de jeu. Je disais justement que c'était bien tiré. Eh ben, ça se confirme avec ce 1-0. Allez, c'est bien. Peut-être le deuxième ici. Anderson, Mills. Oh là là. Oh, comment est-ce que ça rentre pas? Oh, c'est rouge, bref. Oh! Ok, ça va, il n'est pas blessé, Moore. Et du coup, ça nous met dans une bonne posture, cette carte rouge de Leicester après 35 minutes de jeu. Loingo a repoussé, Corley qui lui redonne. Corley qui s'est re-blessé, super. Oh oui, Mills. Parfait. Le 2-0 qui tombe juste avant la pause. On se donne un petit peu d'avance. Ça régale. On va sortir Corley. Ah ouais, mais Diaz, il était pas bien, justement, physiquement. C'est pour ça qu'on l'avait mis. Aïe, aïe, aïe. Évidemment, c'est pas Afonso qui est sur le banc. On va devoir prendre le risque. Hein. Ça se trouve, du coup, on va avoir les deux qui seront blessés à la fin du match. Ça va être drôle. Allez, soit on va partir pour cette deuxième période avec deux buts d'avance. On semble se diriger tout droit vers la victoire dans cette rencontre. Commence un peu trop à tirer n'importe comment. On va leur demander d'attendre d'avoir une bonne occasion. Alors, peut-être surface arrêtée une nouvelle fois. Et non, ça ne passera pas. Hermanson qui capte. Long dégagement. Mills qui gagne le duel. Mills une deuxième fois. Loingo. Dossou. Il change de côté, c'est trop court, mais on récupère le ballon. Anderson. Ouais, bien joué. Et en retrait pour Dossou, c'était parfaitement joué, mais Dossou, malheureusement, qui fait n'importe quoi. On va en profiter d'ailleurs, on va le sortir, on va le reposer un petit peu, notre ami Dossou. Je sais plus, niveau pied, ok. Ok, bah ouais, tu vas jouer côté gauche. Meilleur récupérateur. On va tester, tiens, meilleur récupérateur avec Segundo Volante. Non. Non, 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 non. On va faire ça, restons classiques. Évitons de perturber les joueurs. Et Cossini pour son retour de blessure. Bah, il va remplacer, certes, hein, de nouveau un match de merde. Ouais, je pense, hein. Ouais. Après, c'est de moins fatigué. On va attendre. On va attendre.
Alors, là, on va le changer. On va sortir finalement Henderson, le plus fatigué offensivement. Oh, bien joué! S'il n'y a pas hors-jeu, c'est parfait. Et évidemment, il y a hors-jeu, donc c'est annulé. Aïe, 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 aïe. C'est dommage. C'est dommage. Yilmaz qui avait été collectif, lucide. Ah oui, d'accord. Le mec qui veut pas nous planter un but depuis je sais pas combien de matchs, et là, il nous plante ça. Mon Dieu. Bon, au moins, ça va peut-être lui redonner confiance. 3-0. Et c'est une bien belle victoire pour clôturer cette vidéo où on a clairement alterné le bon et le très mauvais, j'allais dire. Ouais, non, c'est un peu exagéré quand même de dire très mauvais. Mais en tout cas, le moins bon, ça c'est certain, parce que tout n'était pas parfait, loin de là. Mais au moins, ici, on repart avec 3 points supplémentaires. Il s'est blessé pour 3-5 jours, notre ami Cornet, décidément. Mais en tout cas, on clôture du coup après 7 victoires. On aura eu 3 victoires, une défaite, c'est dommage. Du côté de Brighton, ça avait tout pour être la vidéo parfaite. Mais malheureusement, il y a cette petite défaite en championnat. Du coup, on est ex-aequo avec Manchester City après 13 matchs. On a chacun 31 points, donc 10 victoires en 13 rencontres. Du côté de la Ligue des Champions, on est dans le paquet d'équipes à 10 points après 5 journées. Donc autant dire que c'est plutôt pas mal là aussi. Espérons que la dynamique soit tout autant positive sur la suite de cette saison et qu'on aille enfin chercher cette première ligue. En tout cas, lors de la vidéo prochaine, on va se retrouver pour la suite de ce mois de décembre avec Leeds United, Brentford, attention, solide équipe, et West Ham, là aussi très très solide. Et on aura l'interlude en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Ce sera loin d'être facile, mais ils font pas un bon début de campagne en Ligue des Champions. Et ils l'ont pas remporté hein, jusqu'à maintenant. Ouais, non. Pas de Ligue des Champions jusqu'à maintenant. Et pour le moment, visiblement, c'est compliqué pour eux ouais, de partager une défaite. Ils ont fait mieux que nous contre Schalke, en tout cas. Ça, c'est certain. Mais bref, ce sera pour la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Et je vous dis à la prochaine.